Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV pour une émission un petit peu particulière aujourd'hui puisqu'on va parler d'un titre mythique, Castlevania. Mais on va y parler d'une façon un petit peu spéciale puisqu'on va faire une petite séance de rétro-reading, c'est-à-dire lire des livres anciens. Et en l'occurrence, le livre de Gianni Molinaro, Castlevania, le manuscrit maudit. Un très beau livre de plus de 200 pages. Alors comme toujours, c'est aux éditions Pix & Love. Un ouvrage extrêmement bien soigné, comme vous pouvez le voir à l'écran, avec à l'intérieur beaucoup de textes. Ne vous attendez pas à voir des images à foison. Non, là c'est du lourd, c'est du sérieux, c'est du texte, avec toute l'histoire de Castlevania qui est écrite d'une main de maître, hein, celle de Gianni Molinaro. Donc on regarde ça tout de suite sur Gunnet TV. Bon, pour les trois du fond qui ne suivent pas, on va faire un petit rappel des faits. Castlevania, autrement dit la contraction de Castle of Transylvania, est également connue au Japon sous le nom de Akumajo Dracula. Alors c'est une série de jeux vidéo créée par Konami et qui est sortie en 86 et qui compte à l'heure actuelle plus d'une vingtaine d'épisodes, toutes machines confondues. Hein. Ils sont passés de la NES, hein, la Famicom au Japon, au MSX, en passant par l'Amiga, la Game Boy, et bien évidemment la PC Engine, hein, puisqu'en fait les images de cette introduction, bon peut-être un petit peu trop spectaculaire, sont tirées d'Akumajo Dracula X sur PC Engine. Alors jusqu'en 1997 et la sortie de l'opus Symphony of the Night sur PlayStation et Saturn, la série n'a guère évolué. À chaque fois, elle a évolué, je dirais, paisiblement, tranquillement. Les modifications notoires, c'est surtout sur Super Famicom, avec celui qu'on connaît sous le titre de Super Castlevania 4, avec le mode 7, permettait des effets de rotation, permettait des effets visuels un peu nouveaux pour l'époque, et surtout le personnage pouvait diriger son fouet dans toutes les directions. Il pouvait également s'accrocher, gérer à certaines parois ou certains crochets qui étaient situés au niveau des plafonds. L'autre évolution notoire, c'est l'arrivée du CD-ROM. Donc en 1993, sort la fameuse version Akumajo Dracula X sur PC Engine. Et là, c'est la claque visuelle à l'époque, puisque le jeu est relativement linéaire. Mais par contre, il commence déjà à distiller ce qui deviendra, je dirais, l'avenir de Castlevania avec des chemins différents, d'autres personnages à choisir et puis surtout une bande son exceptionnelle, CD-ROM oblige. Et ce que je vous propose, c'est de faire une petite coupure dans la présentation du livre de Gianni Molinaro pour faire un focus particulier sur Dracula X Rondo of the Blood. Cette version PC Engine, donnée de facture, hein, on reconnaît bien gérer la touche Castlevania à travers Richter, le personnage principal, marque effectivement le début d'un changement qui est opéré chez Konami, puisque ce titre sorti sur CD-ROM offre bien évidemment une capacité de stockage accrue, des dessins animés qui permettent effectivement de développer un peu plus l'ambiance, et surtout un gameplay qui va commencer à évoluer, qu'on retrouvera donc dans d'autres puces, et qui bien évidemment va atteindre son apogée avec la version Saturn et PlayStation qui sortira en 97.
Alors, après ce petit intermède PC Engine, revenons sur Castlevania, le manuscrit maudit, écrit par Gianni Molinaro, donc une fine plume de Gameblog. Et donc, cette édition est sortie, enfin, ce livre est sorti en trois éditions. La toute simple, la basique, la Belmont édition, ensuite l'Alucard édition, puis enfin la Dracula édition, donc c'est le fameux coffret en bois qui contenait donc plusieurs ex-libris, une carte numérotée et signée par l'auteur, un DVD RIP. L'ouvrage dans sa finition Alucard édition, c'est d'ailleurs celle qui défile sous vos yeux actuellement. Je n'ai pas le coffret moi, il était rapidement épuisé puisqu'il avait été tiré à 200 exemplaires. Donc j'ai la Alucard version qui, elle, a été éditée à 1000 exemplaires à l'époque par Pixel Love. Un petit détail amusant, il y a une plume d'oie dans le coffret, donc sans doute un clin d'œil effectivement à l'époque où ils écrivaient de manière calligraphiée à la plume d'oie, et puis sans doute aussi un clin d'œil à Plume, l'auteur de ce livre. Donc un livre au demeurant excellent, je vous le conseille très sincèrement puisque vous apprendrez tout sur cette fameuse saga Castlevania de 1986 à 2014, date de sortie de Lord of Shadow 2. Donc voilà, donc au final, un très très bel ouvrage que je vous conseille fortement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Gunnet TV.